François Pervis devant, Raphaël Beaugilet malvoyant derrière. Obsession commune, une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo, le 28 août prochain, jour de l'épreuve du kilomètre départ arrêté en tandem. Donc là, en fait, le but, c'est de gorger les muscles à fond de toxines, de lactiques, pour tout simplement s'habituer à continuer à être productif malgré le mal. C'est quand on a mal, généralement, on stoppe, quoi. Voilà, non. Il faut continuer à se faire mal, et ça s'apprend, c'est pas inné. Là, mes muscles, ça fait 21 ans que je les entraîne deux fois par jour, 6 jours sur 7 toute l'année. Donc forcément, j'ai peut-être un peu moins de rendement à mon âge, c'est normal. Après, je fais en sorte justement d'essayer de le garder. Et ouais, je vais pas trop me plaindre, ça va. La fédération handisport a proposé l'an passé un dernier défi à François Pervis. À 35 ans, barré en équipe de France valide, le Mayennais est contacté pour épauler l'athlète du Loir-et-Cher Raphaël Beaugilet. 6 mois pour bâtir un duo médaillable, Pervis, qui n'est pas homme à se lancer à la légère, accepte. Les Jeux de Tokyo repoussés. C'est parti. François et Raphaël vont disposer de 18 mois de préparation. J'apparente ça à un semi-remorque. Parce que forcément, c'est deux fois plus long, on est deux dessus. Il y a deux chaînes, il y a trois plateaux, parce qu'il y a une chaîne relais, parce qu'il faut qu'on tourne les jambes en même temps, c'est un pignon fixe. Si on n'est pas synchro, forcément, la production d'énergie qu'on met sur les pédales, ça va être pas trop... le rendement sera moindre. Et puis, si on a un de nous deux qui couine et qui coince, parce que physiquement, il est à bout, forcément, il va ralentir l'autre. Outillé pour l'aventure, c'est peu dire. François Pervis a dans ses bagages puissance, mentale et 20 ans d'expérience au plus haut niveau. Le pistard, qui a grandi dans la ferme familiale de Villiers-Charlemagne, a été 7 fois champion du monde dans sa carrière et des 3 disciplines vitesse, kilomètre et keirin la seule année 2014. Il est et demeure recordman du monde du kilomètre départ arrêté. Avec Beaugilet et d'Almeida, il remporte son unique médaille du bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. À Tokyo, Pervis, il vaut mieux l'avoir avec soi. Finalement, la pression, c'est plus les autres qui l'ont parce que ils savent qu'il y a François, tout le monde sait ce que vaut François. Nous, par rapport à ce qu'on a fait au championnat de France en février, on sait qu'on voit à peu près la 3e place. Devant, il y a 2 tandems anglais qui marchent super fort. Ils se partagent les titres sur les épreuves de sprint depuis au moins 2012. Facile, ouais. Peut-être qu'en août, on sera devant tout le monde, on ne sait pas. Hein. Une ultime médaille au Japon, ce serait un sacré symbole pour un dernier tour de piste. François Pervis. Le Mayennais doit beaucoup à ce pays qui l'a maintes fois invité à disputer les épreuves du keirin. À partir du moment où j'ai été au Japon, c'est là où j'ai pris conscience et confiance en moi et conscience de ce que j'étais capable de faire. Et c'est là où j'ai commencé à être champion du monde, à battre des records du monde, à faire un triplé historique en 2014. Si je pouvais finir ma carrière au Japon sur une médaille paralympique, ce serait pour moi la plus belle des fins de carrière.